Le temps est passé depuis que ce terrible virus régnait en maître dans cette ville, ravageant environ 80% de la population, des hommes, des femmes, des enfants, des familles entières, mais aussi bon nombre d'animaux y sont passés aussi, comme chiens ou chats. La plupart des survivants ont tout perdu, abandonnés à leur propre sort. Nous pensions bien que, suite à cette tragédie, le gouvernement ainsi que tous les survivants allaient s'allier pour raviver la flamme qu'il y avait dans cette ville avant, et que l'organisation auquel j'ai été affilié de force allait se dissoudre petit à petit. Enfin bon, a priori, c'est ce qu'on pensait, mais cela n'allait pas être aussi simple. En effet, malgré la dissolution de ce terrible virus, certaines personnes qui, pour la plupart, étaient préparées au combat, ont radicalement vu leurs ambitions changer. Amener la terreur, en pillant les plus démunis, par exemple. Ou bien en les torturant ou en les assassinant, tout simplement. La plupart d'entre eux faisaient partie de ce groupe rebelle qui existait auparavant. C'est pour dire que leur puissance est considérable et que la pitié chez eux, bah, ça n'existe pas. Malheureusement, les moyens techniques sont trop faibles pour pouvoir remettre la ville en état très rapidement. Le moral n'est plus là du tout et les citoyens ont peur de cette anarchie incessante. Je ne pensais pas avoir affaire à une telle instabilité dans ma vie, voyez-vous. Cependant, en tant qu'ancien gendarme, je me dois de faire régner la paix, et ce, quoi qu'il m'en coûte. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre, vu que je n'ai plus de famille. En effet, je les ai perdus à cause de ce fichu virus, qui aura tout gâché. J'ai tout de même l'espoir de revoir ma fille un jour. Qui sait? Elle a peut-être survécu. J'y crois dur comme fer, en tout cas. Cependant, la division va devoir reprendre du service et ne surtout pas abandonner. Nous voulons que ce monde existe et redevienne stable.